Atteindre le taux d'inclusion financière de près de 70% en RDC à l'horizon 2028, le FPMSA, Fonds pour l'inclusion financière, y croit fermement et y travaille inlassablement. Le FPMSA vient de renforcer l'accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises congolaises auprès de l'institution des microfinances Baobab RDC-SA avec un prêt de 5,9 millions de dollars américains pour une durée de 4 ans. La signature de ce contrat de partenariat entre les responsables de ces deux structures a été matérialisée le mercredi 26 juin 2024. La directrice générale de Baobab s'en réjouit. La signature du contrat que nous avons fait aujourd'hui est importante dans le sens où c'est un partenariat qui nous permet de pouvoir justement financer directement nos clients qui en ont besoin. Nous avons un nombre de clients qui croît d'année en année. Nous avons une croissance assez importante de notre activité, de notre exposition. Et pour pouvoir financer tout cela, nous avons besoin de partenaires de confiance et de qualité. Cet appui financier considérable marque l'engagement partagé entre le FPMSA et Baobab RDC à soutenir l'accès de micro, petites et moyennes entreprises pour des solutions novatrices et pérennes face aux défis économiques et sociaux en République démocratique du Congo. Le directeur général du Fonds pour l'inclusion financière en RDC, Patrick Congo, a dévoilé d'autres ambitions pour accompagner le développement et la diversification de l'économie congolaise. Nous sommes là pour soutenir leur croissance en mettant à leur disposition des ressources longues pour arriver aussi à satisfaire les bénéficiaires finaux. Les femmes, de manière générale, n'ont pas vraiment accès à des garanties solides à offrir aux institutions financières, mais aussi les jeunes. Et par rapport à ça, nous venons avec des fonds de garantie. La même chose aussi pour le secteur agricole. Reste pour nous une priorité en termes de croissance. En ce qui concerne les énergies renouvelables, vous voyez les milieux ruraux et les taux d'électrification est vraiment très faible et il est important d'éclairer ces zones-là. Et pour le faire, on a besoin des fonds de garantie pour essayer d'apporter plus de solutions aux besoins liés à l'électrification dans les milieux ruraux.